Les modalités de gouvernance pour En fait, je suis parti d'un truc qui m'attristait vraiment, c'était de voir des jeunes brillants qui avaient plein de talent puis qui le gaspillaient ou qui en faisaient rien. Puis ça, c'est souvent parce qu'ils n'avaient pas eu la chance de s'exprimer dans un milieu qui leur convenait, un milieu qui manquait souvent de liberté. Fait que je me suis dit, non, ça prend une espèce d'école où tu peux vivre dans une espèce de truc qui est très foisonnant, très effervescent. Puis en bateau, tu décroches complètement. Tu n'es plus dans une société, tu n'es plus à l'école, tu n'es plus dans un milieu de travail, tu n'es plus dans une famille, tu es en bateau. C'est d'arrêter de penser un peu puis de sentir les choses, de sentir le vent, d'avoir froid, d'avoir peur, d'être émerveillé, d'être inquiet, d'avoir des relations dans un milieu d'aventure. T'sais, imagine quand tu passes une semaine en mer puis tu fais de la navigation sous les étoiles ou dans le brouillard, il y a quelque chose de complètement magique qui change complètement ta vision du fleuve et ta compréhension. Donc, il crée un attachement. Puis lorsque on va te parler du fleuve, après, ben, tu vas pouvoir dire « Ah oui, tu as un référent. » Tu vas dire « OK, ça me dit ça. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. » Je dirais que les jeunes, puis les moins jeunes qui passent, aient un sentiment d'attachement au bateau, d'une fierté aussi d'avoir un bateau qui navigue, puis qu'ils puissent revenir, puis qu'ils sentent chez eux, puis qu'ils sentent que ce bateau-là leur a apporté des choses, puis qu'ils aient envie de revenir. Fait que ça, c'est le bateau, un bateau bien commun qui navigue sur un bien commun, qui est le fleuve. Thank you.